Monsieur Toussaint Fédris, directeur de l'école nationale de Capucin. L'école s'est située dans la deuxième section communale de Miragouane. L'école est effectif de 240 élèves, 113 filles et 127 garçons. Et l'école ça c'est une école qui bénéficie d'un programme alimentaire mondial depuis 2010. Côté PAM lui-même, bah, il y a possibilité à tout le monde qui est dans l'école ça venir au plat chaud chaque jour. Et nous souhaitons que ça continue fait toujours parce que il y a quelques choses qui nous bénéficient dans le niveau du programme, non, nous ne pouvons pas continuer à bénéficier lui, mais je pense qu'avec l'effort qu'on fait, côté l'autre bail de fonds, nous pouvons collaborer avec PAM pour capable bailler participation par eux pour PAM lui-même capable bien plus possibilités et pour plusieurs autres petits monde capable bénéficier d'un programme là. Nous espérons ça fait parce qu'il y a un petit monde qui sortit la caillou sans manger, sans avoir rien, mais là ils viennent l'école là, ils espèrent bien un plat chaud. Dans un premier temps, nous te connaissons une difficulté lorsque tu nous viens l'école, soit avant tu as fait au mal, peut-être tu as fait au mal. Il faut que nous venions au quand même pour bayo, mais avec le programme, ça, hein, quand une scolaire là, qui est dans l'école là, lorsque tu nous viens dans l'école là, ou bayo, tu fais un petit patience pour être capable de manger, et non plus pas, je ne casse à répéter encore, parce que ça que tu comptes faire, quand tu as fait mal, tu as fait mal, c'est lorsque tu as fait sans manger. Nous espérons que tout l'autre bail de fond pour collaborer avec l'institution sacrée PAM, pour être capable de joindre plus de possibilités encore. Et pour tout petit monde qui a des difficultés à travers le monde, qui n'est pas capable de manger pour manger, pour capable de manger pour manger, nous espérons ça.